Kent, l'éléphant. Bonjour les amis, regardez des ballons de foot. Mais pourquoi sont-ils si blancs? Je pense qu'ils ont besoin de belles couleurs. N'es-tu pas d'accord? Colorions-les. Je m'appelle Kent, je suis l'éléphant mignon et aujourd'hui, je suis là pour t'amuser. Commençons! Regarde cette peinture. C'est une de mes meilleures expériences. Tu l'aimes aussi? Le ballon de foot a presque disparu. Et cette peinture est si brillante. Waouh! Presque fini. Le dernier. Ces couleurs sont si brillantes et éclatantes. Elles sont toutes mes préférées. On dirait un arc-en-ciel, non? Maintenant, la meilleure partie de mon expérience. Il est temps de jouer! Waouh! Regarde tous ces ballons de foot qui rebondissent! Hey Kent, es-tu prêt à jouer avec tous ces ballons? Les enfants, êtes-vous prêts à jouer avec tous ces ballons? Pouvez-vous deviner les couleurs des ballons? Rouge! R-O-U-G-E. Rouge! Waouh, c'est trop amusant! Quelle est la prochaine couleur, Kent? Orange! O-R-A-N-G-E. Orange! Après? Jaune! Ma couleur préférée! Ensuite... Vert. V-E-R-T. Vert. Puis enfin... Bleu. B-L-E-U. J'espère que tu t'es bien amusé aujourd'hui. Au revoir. Salut les amis, je suis Kent, Kent l'éléphant. Et j'apprends à compter de 1 à 10. Waouh, ça a l'air amusant, non? Oui! Mais avant de le faire, j'ai une liste de courses prêtes et je dois aller au marché pour acheter tous les ingrédients, toutes les choses nécessaires de ma liste. Tu veux m'aider? Oui? Allons-y! Voyons voir quelle est la première chose sur ma liste. Une boîte de lait? Ok alors, une boîte de lait. C'est ça! On l'a! Check! C'est quoi? Oh! Deux pommes! Ok alors, allons chercher des pommes. Les voilà! Dans mon panier! Une, deux pommes! Check! Et après? Des crackers! Trois paquets de crackers! Ils vont dans mon chariot! 1, 2, 3! Wouhou! On l'a fait! Ensuite, j'ai... 4 pots de confiture! Miam! Voyez-les apparaître dans mon panier! 4 pots de confiture. Check. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? 5 paquets de biscuits. Mes préférés. Je les adore. 1, 2, 3, 4, 5. Wouhou! Bon travail. Merci pour ton aide. Et maintenant, allons chercher 6 carottes. Plus que 5 articles. Maintenant, 6 carottes. Peux-tu compter jusqu'à 6 avec moi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carottes! Check! Qu'est-ce que c'est? C'est de brocoli. Je vais faire une soupe de brocoli. Mettons-les dans le panier.
1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Wouhou! Ça va être une super soupe aux brocolis. Et ensuite, 8 tomates. Waouh! Tu peux les compter? Elles vont dans le panier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 tomates dans le panier. Check! Maintenant, nous y sommes presque. Nous avons 9 bananes. Oh, j'adore les bananes. Elles me rendent plus fort. Comptons 9 bananes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Yay! Check! Et enfin, nous avons 10 muffins. Wouhou! Il nous faut un dessert. Ouais! 10 muffins dans mon panier, tous en un seul paquet. Sympa et facile. Check. Wouhou! Voyons voir. J'en ai fini avec les courses. Youhou! Maintenant, voyons ce que nous avons acheté aujourd'hui. Un pot de lait, 2 pommes, 3 paquets de crackers, 4 pots de confiture, 5 paquets de biscuits, 6 carottes, 7 brocolis, 8 tomates, 9 bananes, 10 muffins. Waouh! Attends une minute, j'ai appris à compter de 1 à 10. Tu as vu ça? Yay! On l'a fait ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Génial! Mon nom est Kent, je suis un éléphant. C'est tellement amusant de faire les courses aujourd'hui. J'ai appris à compter jusqu'à 10. Merci beaucoup, c'était les courses avec toi. À la prochaine fois. Bye bye! Aujourd'hui, nous allons apprendre à construire un terrain de jeu. Tu es prêt? C'est parti! Hurra! N'est-ce pas excitant? Ça va être tellement amusant! Me voici Lundi! Coucou Lundi! Regardez ce que j'ai les gars! Regardez ça! J'ai le plan parfait pour le terrain de jeu parfait! Yay! Tout d'abord, nous allons placer des dalles en caoutchouc pour le sol! Génial! Maintenant, la base pour le toboggan sous-marin! Bon travail, Monsieur Tracteur! Assemblons le tout! Ces camions de construction sont si utiles! Yay! Wouhou! Fantastique! Hello! Et maintenant, que penses-tu du périscope du sous-marin pour une meilleure vue? J'ai fini! Bon travail! Et maintenant, fixons le support latéral pour notre toboggan. Bon travail! Et maintenant, ajoutons la balançoire. Merveilleux, Monsieur Tracteur! Merci! Allons chercher l'autre balançoire. Oui, merci! Oui, bon travail! Voilà Lundi avec le manège! Ouh! Quelle hâte! Qu'avons-nous là? De merveilleuses étoiles pour un terrain de jeu bien éclairé! Waouh! J'ai tellement hâte de jouer! Incroyable! On l'a fait! Bon travail tout le monde! Me voici! Je vais descendre les toboggans! Oui! Yay! Waouh! Ces balançoires sont géniales! Je vole! C'est le meilleur jour de ma vie! Yay! Mon terrain de jeu est le meilleur du monde! Bonjour! Mon nom est Kent! Quelle merveilleuse journée! N'est-ce pas? Je vais faire un gâteau aujourd'hui! J'adore cuisiner! Cuisinons, cuisinons, cuisinons! Mélangeons, mélangeons, mélangeons! Miam! Je me demande quelle est cette délicieuse odeur. C'est presque fini. Wouhou! Voyons voir. Pour le rendre parfait, ajoutons un glaçage au chocolat. Allez, Luc! Fouettons, fouettons, fouettons! J'ai hâte! Et c'est fait! Wouhou! Quelque chose sent délicieusement bon. C'est parti! Wouhou! Waouh, Kent! Ce gâteau a l'air si délicieux! On peut en avoir? Je veux du gâteau! Je veux du gâteau! Je veux du gâteau! Moi aussi!
Nous devons apprendre à partager. Alors partageons le gâteau de manière égale. Comment fait-on? Comment puis-je diviser ce gâteau également? Je vais le diviser en 4 parties. Une part pour Moumou. Une part pour Luc. Une part pour Tim. Et la dernière part pour moi. Maintenant, nous avons tous une part égale du gâteau. C'est merveilleux! Miam, miam, miam! C'est toujours bon de partager! C'est une belle journée ensoleillée! Kent et Lundi jouent un match de foot très intense. Qui va marquer le but? Lundi a la balle et on dirait qu'il va marquer! Allez, Lundi! Mais Kent le rattrape! Oh non, il a trébuché sur une pierre! Pauvre Kent! Il a l'air vraiment blessé! Leurs amis, les camions, se sont précipités pour l'aider. Oh oh, c'est une grosse blessure. Ne pleure pas, Kent, ça va aller. Regarde, le camion a une idée. Qu'est-ce que c'est? Un plan pour construire un terrain de foot. C'est une idée géniale. Mettons-nous au travail, tout le monde. D'abord, on enlève toutes les pierres. Et on place le poteau de but. Parfait! Place les gradins. Incroyable! Et la touche finale. Lundi et Kent ont besoin d'aide pour faire les marquages du terrain. Le camion sait comment le faire. Wouhou! C'était trop cool! Hop sur Lundi! Waouh! On a fini! C'est l'heure de jouer! Yeah. Allez tout le monde, rejoignez-nous! Kent court avec le ballon et il le passe à son ami. C'est parti! Est-ce que ça va marcher? Oh oh! Oups! La balle rebondit et Lundi est prêt! Regardez-le jouer! Et... il marque un but! Wouhou! Bien joué, Lundi! Quelle journée incroyable! Bonjour, je suis Kent. C'est une si belle journée, n'est-ce pas? Je vais à l'école. Sais-tu quel véhicule je pourrais utiliser pour aller à l'école? Laisse-moi réfléchir. Peux-tu m'aider à choisir le bon véhicule? Pourquoi pas un bateau? Non, je n'ai pas besoin d'un bateau. Un hélicoptère? Oui, ce serait amusant. Mais non, je n'ai pas besoin d'un hélicoptère. Je ne suis pas riche. Oh, c'est un grand bus scolaire jaune. C'est ça, Hong Kong. Les routes de l'autobus se roulent, roulent, roulent. Ils m'emmènent à l'école dans toute la ville. Hourra! Je prends un bus scolaire pour aller à l'école. Salut! Je veux aller de l'autre côté de la rivière. Quel véhicule puis-je utiliser pour m'aider à traverser? Un bus? Non, il coulerait dans l'eau. Pourquoi pas un vélo? Pas question! Un bateau? Oui, c'est ça! Un bateau! Ramez, ramez, ramez votre bateau doucement sur la rivière! Bonjour! Je vais au marché pour acheter des fruits. Quel véhicule puis-je utiliser pour aller au marché? Un tracteur? Non, c'est trop lent. Un bateau? Pas de rivière cette fois. Je n'ai pas besoin de bateau. Un vélo? Ring, ring! Yay! Quelle bonne idée! Faisons du vélo! C'est un bon exercice pour aller au marché. Je suis à la ferme du vieux McDonald's. Quel véhicule me faudra-t-il pour faire le tour de la ferme? Un bateau? Non! Un vélo? Je ne pense pas. Un tracteur? Oui, c'est ça! Les tracteurs vivent dans les fermes. Vieux McDonald's avait une ferme. Ia, ia! J'ai ma
m'appelle Kent et je suis l'éléphant mignon. Qu'est-ce que c'est? Ma mission pour aujourd'hui est ici. Waouh! Jouer avec les amis, c'est ce que je préfère faire. Allons jouer! Oui, un panier plein de jouets, c'est super. J'ai hâte de jouer avec mes amis. Oh non, personne n'est là. Je vais aller les chercher. Je m'appelle Kent, l'éléphant mignon, et je vais chercher mes amis. Oh, regardez ces teams. Salut Kent, j'ai un cadeau pour toi. Waouh, c'est un hélicoptère bleu. Yay, c'est génial, j'adore mon cadeau. Merci Kent. Je m'appelle Kent, je suis l'éléphant mignon, et je m'en vais chercher mes amis. Oh waouh, Lundi fait des éclaboussures dans l'eau. Bonjour Lundi, j'ai un cadeau pour toi. C'est un bateau jaune. Je m'appelle Ken, je suis l'éléphant mignon et je m'en vais chercher mes amis. Yay! Salut Luc, j'ai une surprise pour toi. Une voiture rose. Merci Kent, tu es un merveilleux ami. Au revoir Kent. Oh non, le panier est vide. Il n'y a plus de jouets pour moi. Que dois-je faire? Hé! Quelle surprise! Allons jouer avec tous nos jouets préférés. Un bateau, un hélicoptère, une voiture. La mission d'aujourd'hui est accomplie. Bonjour les enfants, je suis Kent. Jouons au jeu des différences aujourd'hui. J'adore ce jeu! Commençons! Peux-tu m'aider à trouver les différences? Allons-y! Ils jouent tous les deux de l'harmonica. Oh, je crois que j'ai trouvé! Et toi? Ça y est! C'est bien ça! L'oiseau rose n'est pas sur la photo de droite. On recommence. Peux-tu trouver des différences? Comptons les papillons. C'est parti! C'est exact! Il y a 4 papillons dans l'image de gauche et 3 dans l'image de droite. Ensuite, faisons celui-ci. Salut, c'est moi! Pouvez-vous trouver la différence? Oh, celui-là est un peu plus difficile. Il se cache un peu. Le temps s'est écoulé. C'est bien ça! Dans cette photo, il manque ma photo. Ensuite, ce sera moi et mon ami. Yay! On fait du coloriage. Peux-tu voir la différence? On y est presque. Le temps est presque écoulé. Le temps s'est écoulé. Oui, c'est exact. Il manque un crayon. C'est une belle journée ensoleillée et nous sommes tous en train de manger des glaces. Pouvez-vous trouver des différences entre les deux images? Le temps s'est écoulé. C'est ça! Dans cette image, le singe n'a pas sa glace. Vous avez fait un excellent travail en repérant toutes les différences dans ces images. Bien joué! C'était super amusant! Bon travail les enfants! Yay! Salut, je suis Kent, l'éléphant. Comment vas-tu aujourd'hui? Nous allons jouer un jeu simple appelé « Combien peux-tu en compter ?» Alors, combien peux-tu en compter? Tu es prêt? On commence! Oh, des bananes! Mes préférées! Combien de bananes peux-tu compter? Voyons voir! 1, 2,
avons 5 bananes. Merveilleux! Ensuite, combien de voitures pouvez-vous compter? Ça devrait être facile, n'est-ce pas? Une. Ce n'est pas une voiture. Deux. Trois. Super! Nous avons 3 voitures dans notre panier. Hourra! C'est reparti! Et maintenant, combien de crayons peux-tu compter? Ok, on y va. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Excellent! Nous avons 6 crayons. Bon décompte! Waouh, bon travail! Combien de cadeaux peux-tu compter? 1, 2, 3, 4. Oui, c'est ça! Aimerais-tu avoir 4 cadeaux pour ton anniversaire? C'est bien ce que je pensais! Et enfin, mais surtout, combien de bonbons peux-tu compter? 1, 2, 3. Sucettes délicieuses! 4, 5, 6, 7 et 8. Oui! Nous avons 8 bonbons! Miam, miam! Encore un tour? D'accord! Combien de papillons pouvez-vous compter? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 papillons! Des papillons qui volent! Combien de tasses peux-tu compter? 1, 2 et 3. C'est vrai, nous avons 3 tasses. Combien de balles peux-tu compter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons 8 balles. Imaginez toutes les choses amusantes que tu peux faire avec ces balles. Combien de crayons de couleur peux-tu compter? Il y en a un bon nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 crayons! Waouh! Tu pourrais faire des dessins très colorés avec ça, n'est-ce pas? Et enfin, combien de boutons peux-tu compter? 1, 2. Oui, juste 2. 2 boutons roses. Oh, encore, encore. Ok. Je vois. Combien de cerfs-volants peux-tu compter? Ok, on y va. 1, 2, 3 et 4. Des cerfs-volants roses. Génial! 4 cerfs-volants pour souffler dans le vent! Bon travail! Combien de cupcakes peux-tu compter? 1, 2, 3, 4! 4 délicieux gâteaux à manger pour moi! Ok! Combien de clés peux-tu compter? 1, 2, 2 clés. Excellent! Waouh! Tu es vraiment bon à ça! Combien de chapeaux peux-tu compter? C'est vrai! Juste 1! Yay! Et maintenant,
Combien de tomates peux-tu compter? Une, deux, trois, quatre, cinq tomates juteuses! Oh, je pourrais cuisiner quelque chose de délicieux avec ça! Yay! Bien joué les enfants! Vous avez fait un travail fantastique en comptant toutes ces choses! Bon travail! À la prochaine fois! Au revoir! Bonjour, je suis Kent. Kent, l'éléphant. Bonjour. Je suis sur le chemin de l'école. Ah, voilà mon sac d'école. Oh oh, mon cartable était ouvert. Il est vide. Toutes mes affaires sont éparpillées dans ma chambre. Je dois les chercher. Tu veux m'aider? Où est mon crayon? Peux-tu le trouver? Tu le vois quelque part? Ah! Il est là! Il est sur mon lit! Bien joué! Où est ma boîte à déjeuner? Tu peux la voir? Là? Ah! Elle est là! Bien joué! Peux-tu trouver mes crayons de couleur? Où peuvent-ils être? Ici? Non. Ici? Non. Oh, ils sont là, sur le lit! Bien joué! Maintenant, où est ma bouteille d'eau? J'ai besoin de mon eau. Où peut-elle être? Elle est là! Près du bocal de mon poisson rouge! Bien joué! J'y suis presque. Je dois juste trouver mes livres. Où peuvent-ils être? Ils sont là! Juste à côté de mon lit. Et enfin, je dois trouver mon ballon. Tu peux m'aider à le trouver? Il est là? Non, pas là. Il est là? Il est là! Je l'ai laissé sur le fauteuil. Bien joué! Bien joué! Tu as trouvé toutes mes affaires. Merci beaucoup de m'avoir aidé. Elles vont toutes dans mon sac d'école. Wouhou! Je vais bien le fermer cette fois-ci. Et c'est parti! Oh! N'oubliez pas l'eau! Au revoir les enfants! À la prochaine fois! Salut les enfants, je suis Kent l'éléphant. Comment allez-vous aujourd'hui? Voulez-vous jouer à un petit jeu avec moi? Ça s'appelle Trouver l'intrus. Commençons! Ok, cherchons et trouvons l'intrus. Et celui-là? Non. Et celui-là? Non. Le temps s'est écoulé. Vous l'avez trouvé? C'est celui-là, oui! Maintenant, voyons pourquoi nous avions une banane, une pomme et une orange. Ce sont tous des fruits. Et l'intrus était... C'était une betterave! La betterave est un légume! On recommence! Trouvons l'intrus! Nous avons une vache. Ce n'est pas l'intrus. Et pourquoi pas celle-ci? Non. Le temps s'est écoulé. Tu l'as trouvé? C'est celui-là! Le lion! La chèvre, la vache et le cheval sont tous des animaux de la ferme. Mais l'intrus n'était pas un animal de ferme. C'était un lion. Et le lion est un animal sauvage.
Prends-en d'autres. Celui-là? Non. Et celui-là? Non, pas cette fois. Le temps s'est écoulé. Tu l'as eu? Et oui! Betterave, courgette et aubergine. Ce sont tous des légumes. Et l'intrus, c'était la pomme. C'est un fruit. Oh, des moyens de transport. Trouvons l'intrus, ok? Et celui-là? Non, ce n'est pas notre intrus. Est-ce peut-être cette voiture? Oh, regarde! Le temps s'est écoulé! Tu l'as trouvé? C'est celui-là! Oui! L'avion! Maintenant, pourquoi c'est l'intrus? Eh bien, nous avions une voiture, une camionnette et un bus. Et tous ces transports-là sont des transports routiers. Mais devinez quoi? L'avion est un transport aérien! Oui, c'est bien ça! Maintenant, nous avons d'autres animaux. Voyons si nous pouvons repérer l'intrus cette fois-ci. Celui-là? Non, non, pas le dauphin. Ça pourrait être le crabe? Non. Et le temps s'est écoulé. Quel est l'intrus? C'est celui-là, bien sûr. Maintenant, pourquoi c'est moi l'intrus? Eh bien, le dauphin, le crabe et la pieuvre sont tous des animaux marins. C'est vrai. Ils vivent dans la mer. L'éléphant est un animal sauvage qui vit sur la terre. Bravo, bien joué. Vous avez réussi à trouver tous les intrus. Bon travail. Continuez à regarder Kent l'éléphant et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir. Je suis Kent, l'éléphant. Comment vas-tu aujourd'hui? Nous allons jouer un jeu simple appelé... Combien peux-tu en compter? Alors, combien peux-tu en compter? Tu es prêt? On commence! Oh, des bananes! Mes préférées! Combien de bananes peux-tu compter? Voyons voir. Une, deux, trois, quatre, cinq. C'est bien ça. Nous avons cinq bananes. Merveilleux. Ensuite, combien de voitures pouvez-vous compter? Ça devrait être facile, n'est-ce pas? Une. Ce n'est pas une voiture. Deux. Trois. Super! Nous avons trois voitures dans notre panier. Hourra! C'est reparti! Et maintenant, combien de crayons peux-tu compter? Ok, on y va. Un, deux... 3, 4, 5 et 6. Excellent! Nous avons 6 crayons. Bon décompte! Waouh, bon travail! Combien de cadeaux peux-tu compter? 1, 2, 3, 4. C'est ça! Aimerais-tu avoir 4 cadeaux pour ton anniversaire? C'est bien ce que je pensais! Et enfin, mais surtout, combien de bonbons peux-tu compter? 1, 2, 3, sucette délicieuse! 4, 5, 6, 7 et 8! Nous avons 8 bonbons. Miam, miam. Un
Encore un tour? D'accord. Combien de papillons pouvez-vous compter? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 papillons! Des papillons qui volent! Combien de tasses peux-tu compter? 1, 2 et 3. C'est vrai, nous avons 3 tasses. Combien de balles peux-tu compter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons 8 balles. Imaginez toutes les choses amusantes que tu peux faire avec ces balles. Combien de crayons de couleur peux-tu compter? Il y en a un bon nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 crayons! Waouh! Tu pourrais faire des dessins très colorés avec ça, n'est-ce pas? Et enfin, combien de boutons peux-tu compter? 1, 2. Oui, juste 2. 2 boutons roses. Oh, encore, encore. Ok. Je vois. Combien de cerfs-volants peux-tu compter? Ok, on y va. 1, 2, 3 et 4. Des cerfs-volants roses. Génial! 4 cerfs-volants pour souffler dans le vent! Bon travail! Combien de cupcakes peux-tu compter? 1, 2, 3, 4! 4 délicieux gâteaux à manger pour moi! Ok! Combien de clés peux-tu compter? 2 clés. Excellent. Waouh, tu es vraiment bon à ça. Combien de chapeaux peux-tu compter? C'est vrai, juste 1. Yay! Et maintenant, combien de tomates peux-tu compter? 1, 2, 3, 4, 5 tomates juteuses! Oh, je pourrais cuisiner quelque chose de délicieux avec ça! Yay! Bien joué, les enfants! Vous avez fait un travail fantastique en comptant toutes ces choses! Bon travail! À la prochaine fois! Au revoir! Abonnez-vous et regardez plus! Kent, l'éléphant.